Magali hier qui vient répéter avec les petits. Ça marche. Merci. Céline. Céline. Tu peux t'occuper de ce cube, il faut les mettre en diagonale. Ok. Merci de m'avoir permis d'assister à toutes ces répètes avec toi. Sache que ça me fait très plaisir que tu sois là. J'adore le théâtre. C'est vrai? Mais tu sais, si tu veux, tu pourrais nous rejoindre. Ici, c'est un peu comme le laboratoire du monde. On peut tout essayer et tout tenter, avec notre corps, mais aussi avec nos émotions. On apprend à s'exprimer librement et surtout sans tabou. Waouh! Vous avez l'air d'être une vraie famille unie pour faire des choses incroyables! Mais tu crois que j'en suis capable? Tu sais, pour ça, t'as pas à t'inquiéter. Comme tu dis, le TJP, c'est une vraie famille. Et entre tous, on s'entraide. Et on apprend vraiment à tout faire, même les changements des corps. La preuve, je suis comédien. Voilà. Alors, ça dit, tu veux nous rejoindre? C'est vrai que ça a l'air génial! Salut Alex! Salut. La salle est prête? Oui, c'est prêt. Ok, on y va les enfants! En place pour le cours de chant! Hop, hop, hop! Les petits devant, les grands derrière! Voilà, on se place. Tac, tac, tac. Posture. Posture. Très, très bien. Je sais que tout le monde ne connaît pas le solfège, mais j'ai une super méthode pour vous apprendre à chanter. Quand on apprend à lire, on commence par abaisser, vrai? Oui. Quand on apprend à chanter, c'est très simple, on commence par do, ré, mi. On essaye ensemble? Oui. Musique! Merci. Allez. Allez les enfants, on y va. Vous êtes là? Bien, on est prêts. Ah, parfait. N'oubliez pas vos pompons. Préparez-vous. Puis bah, on y va. Les lits de la station se déplacent.
assez pour te voir. Un peu d'attention, s'il te plaît. Permettez-moi de vous présenter Belle, le plus grand cerveau de notre école, accompagné de ses petits neurones. Vise un peu cette dégaine. Ouh là là, va falloir les renvoyer au relooking extrême. Hein. Effectivement, beaucoup de travail. C'est clair, là, il faut tout refaire. Alors les filles, on s'intéresse à nous. Je crois pas, non. On a mieux à faire que de vous passer la pommade. Vous y parvenez très bien tout seul. Dis-moi, Jason, ce doit être ces jolies lunettes qui la rendent si claire, voyant. Kyle, ça suffit. Ouais. Prends-les-lui, les deux. Coucou, c'est par là. Prends ces lunettes. Oh, pitié, me regarde pas comme ça. Je suis mort de peur. Ne t'avise plus de recommencer. Pas mal du tout, bon rat de laboratoire. Tu m'épates, j'aime les filles qui en ont. Oh, allez. Je te fais une fleur, je te prends comme partenaire pour la soirée des Dickstone. Oh les gars, notez. Notez. Alors poupée, on n'embrasse pas le vainqueur? Je suis pas le genre de fille que tu épingles sur ton tableau de chasse. Tu ne l'as quand même pas pris au sérieux, Belle. Tu vois pas qui te fait marcher? C'est moi, sa copine, au cas où tu l'aurais oublié. Garde-le, Kate, ce petit prétentieux ne m'intéresse pas du tout. S'il est prétentieux, toi t'es lamentablement coincé. Les fils de papa me donnent de l'urticaire. Oh là là, encore une simple touche frustrée, même pas capable d'allumer un mec. Allons-nous-en, les filles. Oui, on a mieux à faire. Ces ignorants ne méritent pas qu'on gaspille notre salive pour eux. Ouais, c'est ça, tirez-vous. Bon, débarras. Fais attention, Jason. Ne sous-estime jamais une fille. Oh, tu sais, j'en ai maté des bien pires. Je l'aurai comme je veux et quand je veux. Tu plaisantes. On parie. Et ensuite? Ensuite, comme d'hab, je pique. Et hop, poubelle. Là, je te reconnais, mon pote. Faut pas te laisser démonter par cette poufiasse. Et par ta bande de binoclards. On va leur faire voir qui sont les Big Stone. Jason, ne me mets pas dans le même panier que cette meuf. Oh, tu sais, on va jouer cartes sur table. Toi et moi, on passait du bon temps ensemble. Ça s'arrête là, capiche? Jason est libre, il appartient à personne. D'ailleurs, si tu n'es pas contente, je ne te retiens pas. Lâche-nous les baskets, Kate. Va jouer ailleurs. Je le déteste. Arrête, ça ne vaut pas la peine de pleurer pour lui. C'est un mec, Kate. Juste un mec. Ouais, ils sont tous pareils. Faut qu'ils se la pètent devant les copains. Votre attention, s'il vous plaît. Vous voici prêts à affronter une nouvelle année. Avec rigueur, enthousiasme et camaraderie. Les cours sont répartis comme suit. Section scientifique. Pavillon numéro 1. Section classique. Pavillon numéro 3. Section moderne. Et je vous souhaite un bon travail à tous. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances. Moi, je suis partie à Prague avec une copine. En effet. En effet, c'est une belle ville. Et vous? Disco, pédalo, apéro, dodo. Allez, oh. Perso, je me la suis coulée douce. Ah, Ibiza. Ouais, je vois que vos vacances vous ont fait du bien. Alors j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Notre section a été choisie pour travailler sur le mandat de recherche de l'année. Oh. Attention, je compte sur votre engagement. Si nous menons ce projet à bien, notre école sera peut-être reconnue comme une des meilleures du Royaume-Uni. On sera dans le top 5. On va cartonner. Génial. On se réjouit de commencer, professeur. Belle Crawford a été nommée assistante. Quoi? Elle sera votre référente tout au long du projet. Belle assistante? Tu devrais être content. Non mais j'hallucine. C'est une favorite. Kevin, votre chewing-gum. Bon. On nous a chargé de faire des recherches sur les origines de ce vénérable bâtiment. Selon les archives, il y avait à la place de ce collège un château médiéval. Et dans ce château habitait un prince. Et un soir, une veille de Noël, le château, le prince
et tous ses habitants disparurent comme par enchantement. Non, mais oh, on se croirait dans un conte de fées. C'est n'importe quoi! On nous prend pour qui? On n'est plus des gamins, hein! C'est du délire! Pour plus que Blanche-Neige! Et les sept nains! Eh oh! On rentre du boulot! Eh oh! On rentre du boulot! Eh oh! Vous pourriez pas passer d'un temps? On s'entend plus! Vous êtes pas tout seul! Dis donc, Jason, il y a quelque chose qui t'intéresse à part le basket et les nanas? Quoi? Votre portable résonne dans le tronc du savoir. Kyle, votre téléphone. C'est pas ma faute, je m'appelle. Oui, eh ben sachez que cette année, nous appliquons la tolérance zéro concernant les portables. Non, mais j'hallucine. Et en cas de récidive, ils seront définitivement confisqués. Tiens, sauf si je paye. Bon, je vous laisse avec Belle. Oh, c'est pas vrai. C'est le KGB. Ça commence bien. Merci. En cherchant les manuscrits tout près de la boîte, j'ai trouvé ceci. C'est quoi? Un gant. Selon les écrits, il suffirait d'enfiler ce gant et il vous téléporterait dans cet ancien château qui serait gardé par une bête monstrueuse. Non mais c'est extraordinaire. Regardez-moi ça. C'est un gant. Ainsi donc, selon le guide du voyageur intergalactique, en enfilant un gant, on se téléporte tout droit dans un château magique gardé par une bête hideuse. Vous en connaissez beaucoup, des châteaux magiques avec des monstres et des bêtes féroces. Faudrait être voir. Ce monde existe bel et bien, Kyle. Oh, je suis Darth Vador. Et moi, Luke Skywalker. Luke, je suis ton père. Non. Allez, je vais vous montrer que tout ceci n'est qu'une gigantesque blague. Rends-moi ce gant. Allez, partons. Tuons la bête. Tuons la bête. Aux frontières du mystère, au château de l'impossible, vit le diable dans son horrible tanière. L'inconnu nous effraie, l'imprévu nous terrorise, cette chose mystérieuse nous inquiète. Vraiment pas mal. Baissez un petit peu encore vos textes, on sent que... Hein, voilà. Et oubliez pas vos accessoires pour demain, ce serait pas mal. Allez, rangez tout, s'il vous plaît. Salut, Jean-Bel. Ça va? Je te laisse la salle dans 5 minutes. Parfait. Ouais, super. Et salut, les gars. Et salut. Vous avez passé un bon week-end? Ah, ouais. Super. Bon, super. Vous êtes prêts? Vous êtes déjà chauffés? Bah oui. Bon, alors on y va direct, ça vous va? Ok, alors musique. 5, 6, 7, et... I don't know who, do you? Who needs a pill when they do the mambo? Who needs a pill when they go? Who needs a pill when they do the mambo? I don't know who, do you? Someone must be sick with their heat or stepping on everyone's feet. But if everyone's feeling okay, why don't they just say ole? When the music carries them away. Who's got the pain when they do the mambo? Who's got the pain when they go? Who's got the pain when they do the mambo? I don't know who, do you? Is there a doctor in the house?
have the pay when they go? Who needs a fee when they do the mambo? Who needs a fee when they go? Il y a Yves Hébert qui aimerait bien reprendre une dernière fois avant le spectacle. Ah non, pas de soucis alors. Merci beaucoup. Merci. Venez. Alors, t'as réfléchi? Tu viens nous rejoindre au TJP? Écoute, je sais pas trop. Entre le travail et l'Uni, au final, ça me laisse que très peu de temps. Je dois présenter un recueil de poèmes d'ici la fin de la semaine et je suis même pas convaincue qu'il soit bon. Mais tu sais, si tu veux, je peux le lire. T'es sûr? Bien sûr. Et à chaque fois que je suis auprès de toi, je ne pense qu'à toi. Mais c'est génial, tu es génial. Pronti ragazzi, pronti, andiamo. Vous faites quoi? Hein? Donc écoute, vous êtes où là? Dans... Sur une scène. Une scène. Pour faire quoi? Pas pour... Alors vous allez roucouler en coulisses et les bisous et tout ça, ok? Grazie. Ragazzi, Attends. Je te présente Céline. Et elle adore le théâtre. Est-ce que ça vous dérangerait si... Moi aussi, j'adore. C'est le bourgeois. Ouais. En plus, j'adore que non, je connais tous les textes par cœur. Une giorno in pleine merige. Va bene, bene, andiamo. Bene, ragazzi, andiamo. Merci. Go. Bella, bella la vita.
il nous envoie pas la joie. Mais la vie, elle nous flamme, nous entame, nous descend, nous dégomme. Mais la vie, elle nous mord, nous dévore, et ce corps qui se corde, on est fort pour être fort. Mais la vie du lundi au mardi, ça commence et finit. Mercredi, jeudi, vendredi, sous la pluie, le samedi, on se plie, le dimanche, on oublie. Par sa mélancolie, mieux, plus exactement par sa jeunesse ornée d'un long nez, menton, pouce, non, cou, et d'un chapeau étrange, étrange, étrange. Il se prit de querelle
je ne sais plus très bien avec qui, un homme ou une femme, un enfant ou un vieillard. Cela se termina. Cela finit bien par se terminer, sans aucun doute d'une façon quelconque, par la fuite de l'un des deux adversaires. Je crois bien que c'est le même personnage que je rencontrais, mais où ? Devant une église ? Devant un charnier ? Devant une poubelle ? Avec un ami qui devait lui parler de quelque chose, mais... De quoi ? De quoi ? De quoi ? De quoi il devait lui parler ? Je sais pas, de quoi ? De quoi ? Ce que nous étions serrés sur cette plateforme d'autobus, ce que ce garçon avait l'air bête et ridicule. Et que fait-il ? Ne le voilà-t-il pas qu'il se met à vouloir se quereller avec un bonhomme qui, prétendait-il, ce damoiseau, le bousculait ? Et ensuite, il ne trouve rien de mieux à faire que d'aller vite occuper une place laissée libre, au lieu de la laisser à une dame. 2 heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare. Le même Godelureau, en train de se faire donner des conseils vestimentaires par un camarade. À ne pas croire. Une giorno. In pleine merige, j'ai sali sulla piattaforma d'un autobus e là, che l'uomo gli vidisse. Gli vidisse una giovane donna, o longue colle, avec de la treccia autour du capello. E le dito giovane donna, oltraggio un povero uomo, a chi il rimproverava di lui peste le piedi. Mais il ne lui pesterait nous les mains les piedi. Et quand il vit, on essaie d'y voter, il courit pour céder-ci là. À 1 heure de là, il revidis qui ascoltait les consignes d'une servinote belambusta à propos d'une boutonne de par-dessus. Mamma mia! La plateforme d'un autobus de la ligne S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sous? Il était environ midi. Ding dong, ding dong, ding dong. Un ridicule et faible prout, 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 qui avait un de ses couvre-chefs, fuit, se tourna soudain vers son voisin d'un air de colère. Et lui dit: vous faites exprès de me bousculer, monsieur. Et toc! Là-dessus, il se jette sur une place libre et s'y assoit. Bon! Ce même jour, un peu plus tard, dis-donc, 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 je le reviens en compagnie d'un autre éphèbe, prout, 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 qui lui causait le bouton de son par-dessus. Il ne faisait donc pas si chaud que ça. Et toc! Moi, je comprends ça. Un type qui s'acharne à vous marcher sur les pinglots, ça vous fout en rogne. Mais après avoir protesté, aller s'asseoir comme un péteux, moi, je comprends pas ça. Moi, j'ai vu ça l'autre jour, sur la plateforme arrière d'un autobus S. Moi, je lui trouvais le cou un peu long à ce jeune homme. Et aussi bien rigolote cette espèce de tresse qu'il avait autour de son chapeau. Moi, jamais j'oserais me promener avec un couvre-chef pareil. Mais c'est comme je vous le dis, après avoir gueulé contre un autre voyageur qui lui marchait sur les pieds, ce type est allé s'asseoir, sans plus. Moi,
Je lui aurais foutu une baffe à ce salaud qui m'a marché sur les pieds. Il y a des choses curieuses dans la vie. Moi, je vous le dis, il n'y a que les montagnes qu'on ne rencontre pas. 2 heures plus tard, moi, je rencontre de nouveau ce garçon. Moi, je l'aperçois devant la gare Saint-Lazare. Moi, je le vois en compagnie d'un copain de sa sœur qui lui disait « Moi, je l'ai entendu. Tu devrais faire remonter ce bouton-là. » Mais moi, je l'ai bien vu. Il désignait le bouton supérieur.
cœur, Nelly. Oh, ma douce Nelly. Dis-moi, est-ce que Poulenkov est du nouveau? Oui. Il est à la recherche d'une contrebasse et d'une trompette. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. N'est-ce pas, les filles? Oui. Et qu'est-ce qu'il offre? Une tournée en Floride. Joe! Nelly! Joe! Oh, une tournée en Floride! C'est parfait, c'est notre chance! Une tournée en Floride! Oh, oh! Mais que vous voulez, monsieur Polyakov? Silk! Monsieur Polyakov! Silk! Monsieur le directeur! On doit absolument vous parler! De quoi s'agit-il? Eh bien, de la tournée en Floride, bien sûr! La tournée en Floride! Mais oui, Nelly nous en a parlé! Il paraît que vous êtes à la recherche d'une contrebasse et d'une trompette! Les instruments, ça irait, mais pas vous autres! Mais. Qu'est-ce que vous avez contre nous autres? Question d'anatomie, messieurs. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans votre orchestre? Avoir moins de 25 ans. Ah, mais ça, c'est pas un problème. On pourra toujours faire un petit effort. Avoir les cheveux blonds? Ah, ça, on pourra toujours l'éteindre. Ça, c'est pas un souci. Mais surtout, être une femme. Ah, mais ça, c'est pas un problème. Ah, non. Oui, ça, on ne peut pas une mais femme. Mais oui, ça, on peut. Non. Attends. Tu veux dire que c'est un orchestre de femmes? Oh, mais oui, c'est ce qu'il veut dire! Ah, oh, Nelly, tu vas me le payer! Alors, Révala Polyakov, vous êtes engagé? Ah non? Que c'est dommage! Regardez la tête qu'ils font! Vous allez nous faire craquer! C'est bien fait pour vous! Ça vous apprendra à vous moquer de nous! Sans qu'une! Allez, on fait la paix. Oh, vous, je vous tordrai le cou! Ce serait dommage. Ne me poussez pas à bout, sinon... Sinon quoi? Sinon, je vous tordrai le cou pour de bon. Oh, le vilain petit garçon! Oh, je suis morte de peur! Bon voyage! Non, mais tu les as vus! Oh! Alors ça... Oh, Joe! J'ai une idée. On va s'acheter deux perruques en occasion. On va se faire rembourrer ici et là. Et on se fera appeler Daphné et Joséphine. Oh, et Daphné et Joséphine. Oui. Bon, je m'en vais, t'as complètement perdu la tête. Jo, regarde mes chaussures, elles ont un trou à l'intérieur. J'en ai la nausée, Joe. La faim me coupe les jambes. Non, Joe, attends, enfin, regarde, là, il y a un petit trou. Je veux pas aller comme ça, si ça va pas du tout, Joe, s'il te plaît, j'en suis... Ok, ça va, d'accord. Attends, j'ai peut-être une solution. Attends. Joe. Oui. Oui, allô. Monsieur Polyakov, bonjour! Oui, j'ai entendu dire que vous cherchiez deux musiciennes! Tout à fait! Oui, une contrebasse et une trompette! Absolument, bien sûr, oui! Très bien! À 20h, à la gare, très bien! Au revoir, monsieur Polyakov! Au revoir! Jerry, on est pris! On les prie! Tiens, on va chercher les instruments! Allons-y!
sont les deux nouvelles? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut les filles. Bonsoir. Alors c'est vous les deux nouvelles? Oh oui, tout fraîche. Bienvenue sur une terre sans âme. Oui, et puis un bon maman. Et où avez-vous joué, mesdemoiselles? Oh, vous savez, ici, là, et encore ailleurs. Oui, nous avons passé 3 ans au conservatoire intercommunal de musique. Wow. Bien, vous aurez les couchettes 7 et 7 bis. Oh, merci infiniment. C'est trop agréable. Merci. Pour toutes les autres, Kelly, Nelly, Sandy, couchette 6. Tootsie, Pat, Patsy, Ginger, couchette 5. Et toutes les autres couchettes 1. Bonne nuit, mesdemoiselles. Oh, bonne nuit, Nelly. Bonne nuit, Daphné. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, Daphné. Oh, Joe. Tu as vu ce terrain de chasse? C'est le supplice de Tantale, mon vieux. Jerry, écoute-moi. Nous sommes à la diète. T'as compris? À la diète. C'est une réception
l'aider. Eh, un gobelet. Oui, ça part, ça part. Oh non, non, partez. Oh, partez, partez, partez. Hé, hey, les filles, j'ai encore des gâteaux. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Encore une bouteille. Ouais. Tiens, tu veux un petit gâteau? Non. Celui-là, et au chocolat, non. Tiens. Je suis d'origine, je suis d'origine. Oh. Parfait. C'est pas de ma faute, elles sont invitées là. Oh. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, on va t'en faire bien. Arrêtez. C'est inacceptable. J'ai dit pas d'âme et surtout pas d'alcool. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va swinguer! J'aimerais que vous mettiez tous en groupe, comme on fait d'habitude, avec la main du cœur.
S'il vous plaît, tous un groupe, s'il vous plaît. Tous un groupe. Venez plus en arrière. Venez plus en arrière. Allez, venez plus en arrière. Les enfants, mettez-vous plus en arrière, s'il vous plaît. Vous êtes en arrière de là. Voilà. Ma chérie, à toi l'honneur. OK? Alors, vous êtes tous avec moi pour que ça marche. Pour que ça marche demain à l'octogone. On est tous avec une belle énergie. La main du cœur, on y va? Dans vos cœurs, c'est un don précieux pour eux. Ce soir, pour vous, grands et petits sont devenus les stars du TJP. Et nous vous retrouvons tous après pour partager un verre de l'amitié. Mais avant de partir, on va applaudir encore une fois très fort toutes nos stars qui vont nous chanter une dernière chanson. C'est à vous, les comédiens, chanteurs, danseurs!